Nous voici donc dans le troisième épisode, hein. Donc je n'ai pas bougé, j'enchaîne, comme vous pouvez voir, d'accord, probablement, ce sera le cas de la plupart de mes vidéos. Mais je ne sais pas si je j'uploaderai tout d'un seul coup, ça me semble pas très très intelligent de faire ça. Donc oui, si jamais vous me demandez, hein, j'utilise Fraps. Étant donné que Cam Studio ne fonctionne pas avec Seven, enfin ne fonctionne pas sur une durée élevée avec Seven. Je ne sais pas pourquoi. Dès qu'une vidéo dépasse les 5 minutes avec Cam Studio, je perds la vidéo et j'ai parlé pendant un quart d'heure à rien. Donc, depuis l'épisode 1, là, j'utilise Fraps. Parce que j'ai quand même essayé 5 fois avec Cam Studio et que je me suis foiré. Il faudrait vraiment, ce serait le cas. Mais bon, ça c'est en minage, j'ai fait minage, je faisais la nuit. Donc pas très intéressant ces 3 premiers épisodes, j'avoue, je reste près du spawn, je pas récupérer du bois, faire quelques crafting de base et creuser la nuit. On voit creuse le jour, on voit la nuit. Voilà pour ceux qui connaissent. Ok, donc ça c'est ma souris sans fil. Il déconne. Allez, par ce soir. Évidemment, j'avais oublié de mettre le chrono, donc je suppose que ça fait environ 2 minutes, j'admets 2 minutes de vidéo. J'avais prévu court, je m'en aperçois trop tard. C'est pour ça que 13 minutes au lieu de 15 minutes me permet de bien calibrer mes vidéos. Bon, excusez-moi pour pas très très intéressant tout ça. Bon, alors des poulpes, des cochons, sinon je pourrais essayer, c'est aussi parti un petit peu à la chasse. J'ai pas d'art, je suis à poil, je... Oh! Oh! Viens là, toi. Viens là, toi. Viens là. Petit, petit, petit. Ouf! 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 Oh, génial! Du premier camp, plus. Ouais! J'ai un chien. J'ai un ami. J'ai un copain. Il vient, copain. Bon, excusez-moi. Je disjoncte un petit peu, là. Je suis content, parce que... Très, très utile. Les chiens. Très donc il me suit absolument partout sauf si je lui demande de s'asseoir. Si je lui demande de s'asseoir, ne bougera pas jusqu'à nouvel ordre. Un chien, alors pareil, hein, parce que j'ai dit que j'allais utiliser des références de Minecraft Wiki, tout ça, je joue à peine comme si tout le monde savait jouer, mais... voilà, donc le chien, quelques explications, donc si vous le tapez sans l'avoir dompté, il devient méchant et tous ses copains rappliquent, un petit peu comme les cochons zombies du Nether, on aura l'occasion d'étudier. Si vous le domptez et que vous le frappez, il ne vous fera absolument rien. Si vous vous faites taper ou si vous tapez un ennemi, il saute dessus pour le buter. Donc auto-défense et aide à l'attaque. Donc ça c'est intéressant. On peut lui faire manger des côtelettes. Alors, je sais pas si vous voyez sa queue. Sa queue est actuellement, alors comparée à ses pattes, elle est à 110 degrés exactement. Ça veut dire que sa vie est à 100%. Plus la queue sera inclinée vers le bas, plus il sera blessé. Donc il faudra lui donner de la viande pour le soigner. Donc viande de cochon, moi je pense qu'il n'y a que de la viande de cochon qu'on peut lui donner. Après je peux peut-être dire une bêtise. J'ai jamais essayé avec du pain, ça m'étonnerait que le chien se nourrisse de pain, étant donné que à la base c'est un loup, donc il doit être carnivore. Oh, du charbon. Ouais, je suis un petit peu dans des vaches. Et je me suis paumé. Oh non. Ok, bon, ça je repasserai ici.
un peu son robin. Il va falloir un métier coupé qui prend dans le vide. Le frère, ça prend. Ah ouais, non, il peut l'instant. Hop. Voilà, alors, notre chasseur chien, s'il est à plus de 26 cases de vous, il se téléporte automatiquement sur vous, vous voyez. Bon, donc là-bas, c'est intéressant. Ce que j'ai vu, c'était de l'argile. Je vois pas que les gars. Merci. Alors, tu vas t'asseoir parce que dans la mine, tu as pas besoin de toi. Et donc, on va continuer. Alors, il faudrait des torches. Donc, il est inutile que je repasse du charbon, je pense. Puisque de toute façon, après, je vais retrouver. Hein. Hop. Hop, donc je vais tout transformer en bâtonnet. Donc on va faire 4 stacks de bâtonnets si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais non, je vais me faire un stack. Voilà, et pour le reste... toc, toc, toc... Alors toc, excusez-moi pour mes tocs, hein. J'ai des tics et des tocs. Non, vraiment, j'ai un stack là. Et un stack. Ouais, cool. Bon, bah ça c'est chouette. Peut-être... ouais, ça c'est pas négligeable. Qu'est-ce que toi, tu me pousses? Tu dis si je t'emmerde là. Pardon. Hop, 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 hop. Ah ouais, non. On les loot, pas besoin, ça va mettre soin, ça va. Vous aurez derrière pour la forme. Wouf. Ceux qui me connaissent vont dire ça y est, il a pété un câble. Il a dit jonter le MDJ. Alors ça c'est pas malin ce que je suis en train de faire. Si je tombe dans de la lave, ça brûle. Sachant que la lave, vous pouvez en trouver à tous les niveaux. Ça, c'est un... j'ai peut-être oublié d'ailleurs des trucs dans des... sur les chiens. Oui, alors, les loups à l'état sauvage, par exemple. Et si vous mettez un si vous mettez un mouton près des loups sauvages que vous n'avez pas dompté, donc, les loups attaquent automatiquement le mouton. Voilà, parce qu'ils se nourrissent de moutons. Voilà, il y a ça. À l'étage sauvage, si vous le frappez, donc si vous le rendez agressif, vous aurez beau lui donner tous les os que tu voudras, il essaiera toujours de vous tuer. Donc, ne jamais frapper un loup à l'état sauvage. De toute façon, il loot rien en plus. Alors, c'est vraiment ridicule. Oh, il looterait quelque chose, je comprendrais, mais non, il loot rien. Donc vraiment, que pour la défense.
Pareil, j'en ai dompté un, mais vous pouvez en dompter une infinité. Mais vous avez vu, il saute un petit peu partout autour de vous. Il saute un petit peu autour de vous, ça. Et puis quand on en a une petite vingtaine autour de nous, disons qu'on a du mal à avancer. Je sais, en tant qu'admin, je peux spawner des chiens, et j'en ai déjà spawné une bonne quantité, et je ne pouvais absolument plus avancer. Par contre, il n'y avait aucun mob qui me touchait. Hein. Du charbon là. Si je pouvais avoir de l'iron derrière, parce que j'ai vraiment besoin d'iron. Et je disais, dans une vidéo que j'ai pas pu enregistrer parce que ça avait merdé avec un studio, mais je me fais pas trop de soucis pour trouver du diamant, étant donné que j'ai une chance habituellement faramineuse avec le charbon, avec le diamant. Sans mentir, hein, il m'arrive que même sur le serveur, je trouve parfois du diamant sans le vouloir. Hein, mais vu que je suis admin, ça me sert à rien, je suis en train de cheater. Donc, raté. Bon, donc j'arrive à la fin du chronomètre, hein, je suis toujours en train de descendre. Et je coupe la vidéo et je vous reprends une fois que je serai arrivé en bas, tiens, voilà. Hein. Allez, à tout à l'heure.